Céline Dancaspard, est-ce que tu es disposée à me parler? J'ai envie de m'exprimer. Ah, ça tombe bien. J'ai dit, oh, ta demande en mariage, ça se passe bien, ça va comme ça? Bah là, j'ai automatiquement le feedback, là, j'y pense. C'était plein de pleurs, de joie, bien sûr. Dieu merci, je suis contente pour toi comme ça. Mais j'ai dit, c'est un footballeur encore. Ça, les personnalités du football aiment les jolies femmes. Donc... Dieu? Yo. Sinon, comment j'ai entendu que c'est Samuel Umtiti ou Umtutu, un truc, je sais pas bien son nom. Ça, il y a quelques vérités aussi. Hey, attends, toi, Samuel, là, tu connais Zokora? Non, je m'entends très bien avec lui. C'est une très bonne personne qui est agréable. Et puis, tu vas chercher sa femme. Et après, on pourra discuter. Mon ami, tout ça va même c'est long. Mais toi, c'est Dorcas, là, tu es toujours marié, non? Donc, la situation est un peu délicate. Alors, il faut laisser ça là. J'ai dit, tu es toujours marié, non? Mais jusqu'à preuve du contraire, je suis pas encore venue vous montrer mon acte de divorce. Donc je considère que je suis encore mariée. Voilà. C'est que tu vas avoir le courage de me dire maintenant c'est qui t'a demandé en fiançailles et puis tu as mis ça sur les réseaux sociaux. Si tu as eu le courage de faire ça, Marie, que tu n'as pas encore signé acte de divorce. Donc je t'écoute. C'est qui? Okay. Ouais. Le jour où ça sera prononcé officiellement, je vous présenterai mon nouveau. Mais elle est... Regarde, il faut parler. Tu me fais gagner du temps là. Il se reconnaîtra. Ok, je suppose que c'est Samuel Mtiti. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire là, faites bien, ne venez pas vous arracher les voitures à la fin ici. C'est tout mon problème qui est là. Voilà. Ok. Bye bye.